La la la, nanana, 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 nanana. Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne du 2 septembre 2019. C'est la rentrée. Bah pas pour nous, on avait déjà commencé la semaine dernière, on a fait la pré-rentrée un petit peu comme votre votre professeur, votre professeur marabout. <laughs> je suis Jérégie, votre dealer d'accro, et on donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, on est la quotidienne en première, c'est-à-dire l'après-midi, diffusé le soir à partir de 16h. Et le mercredi, on est en mini-live à 18h pendant une heure. Et le samedi matin, on est en maxi-live à partir de 10h du matin jusqu'à 11h, 11h30 pour certains, voilà comme toujours, on commence l'émission en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Dania va les gars. Tous ceux qui sont abonnés cette semaine. Et vous êtes de retour. C'est la rentrée des classes. Et enfin, tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui en cliquant en bas à droite, là-bas, sur mon petit logo « By GLG ». Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche gestion et tu rejoins cette grande famille, bien évidemment. Allez, on continue. Comme toujours, vous pouvez évidemment soutenir cette émission. Alors attends, je vais faire un truc mieux. C'est vrai que j'ai les boutons. Vous pouvez, soutenir, vous pouvez soutenir cette aventure et cette émission incroyable en mettant un petit like en bas de la vidéo, si t'aimes l'émission. En mettant un petit, un petit dislike si tu n'aimes pas l'émission, mais que t'es quand même là. On en a plus qu'on ne croit. <laughs> Et tu peux également aller regarder une petite vidéo sur YouTube, en bas dans la description. Tu auras une petite pub, ça dure 30 secondes. Ça me rapporte un petit peu si vous êtes nombreux à le faire. Je sais qu'on va y arriver qu'on va tout déchirer un jour, mais pas ce n'est pas aujourd'hui, <laughs> c'est peut-être bientôt. Et enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Vous m'offrez un café, vous êtes tranquille pendant un mois. Ce mois-ci, il y a déjà 379 cafés offerts, puisqu'on en a pas mal qui sont en renouvellement automatique. Qui donne un ou deux balles tous les mois aujourd'hui on remercie Ghost 13 et GXC qui m'ont fait des cafés le 1er et le 2 septembre merci à vous les gars voilà le mois dernier ça n'a pas été génial puisque j'ai bien compris que vous avez pas fait assez d'émissions vous n'avez pas mis la pression donc on n'a pas eu rémunération <laughs> ce qui paraît un petit peu normal hein. Alors, vous êtes un peu les producteurs de l'émission pas d'émission pas de production hein. <laughs> production émission réaction action buzz l'éclair chercher l'intrus. Euh, <laughs> C'est tout. Voilà. Là, là, là. Alors, je perds mon... J'en perds mon latin. Bon, allez, on continue, bien évidemment. Bon allez, on continue avec la page Facebook. Je vous rappelle, j'ai une page Facebook dédiée à Pattaya puisque je réside à Pattaya. Je vis ici depuis maintenant 3 ans. Tous les jours, je vous mets un nouvel endroit que j'ai découvert. Alors euh, hier, c'était le, alors attendez, c'était le Back and Brews. Il y avait les, les tartes australiennes. C'était pas mal aussi. Hein. Vous avez été nombreux à, à kiffer tartes australiennes. Ouais, mon pote. Je savais pas. Hein. Moi, je sais pas. Bah, je dis pas que je de ma campagne, mais quand même, euh, en comme quoi, on sait pas tout et on découvre des choses et ça fait plaisir. Voilà. Plein de Petit plan tous les jours, tu peux aller voir directement sur le site, ça peut faire plaisir. Euh, ma page Instagram, comme toujours, bon, la vie, euh, je vous tease un petit peu ce que je fais tous les jours parce qu'il y a un décalage entre les fiches et de plus en plus les vidéos avec le daily vlog. Vous pouvez suivre tous les jours sur Instagram. Hier, le temple, euh, temple magnifique. Alors, on m'a dit Ça t'a à Street Fighter, il y a un zone comme ça. Hier aussi, les donuts, la meuf était belle comme ça, elle dit oui, euh, mangez les donuts, genre. Genre, oui parce qu'il s'est si mis au meilleur Simpson euh, en train de bouffer les donuts C'était quand même moins glamour, et c'était une marque déposée Et enfin le what the stop du jour, forcément il fallait qu'on en parle Tchou Allez on continue Si on doit parler un petit peu des stats de la chaîne Puisque cette chaîne c'est un petit peu la vôtre Et cette aventure c'est toi qui la suis Et il y en a qui aiment bien savoir un petit peu ce que ça se passe Si tu trouves que cette partie est un petit peu chiante En bas dans la description en fait il y a le menu de ce qui va se passer dans l'émission Il y a un timer devant Vu que j'enregistre et je sais à peu près Je mets un timer, ça si ça te saoule, ça saoule ou de RB, comme tu veux, tu peux cliquer directement sur le timer et aller à la partie qui t'intéresse, si cette partie collaborative, participative et euh, implicative, euh, productive, ne t'intéresse pas. Donc on est euh, hier, on a pris 32 abonnés. Ah, on remonte un peu, parce que là, la moyenne sur les derniers jours, on est tombé à 22. Hein. Il est clair qu'il y avait un petit écart. Bon, là, euh, on sent que vous êtes revenus de vacances. Nombre de vues d'ensemble sur la chaîne, 18 000. C'est bien, ça remonte tout doucement. Aujourd'hui, on est déjà à 8 abonnés. 9. On est à 47 134. C'est bien, c'est pas mal. Comme ça, euh, on voit un petit peu la progression. On se dit déjà 8-9 aujourd'hui. On devrait peut-être faire 30. Et le fait de refaire 30 tous les jours, si on pouvait remonter à 70 comme avant les vacances, je ne te cache pas que ça pourrait me faire extrêmement plaisir. On continue. Allez, on continue! Bien évidemment. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Alors, on a la Tombola Geek du mois d'août. Alors, bon, au mois d'août, il n'y a pas eu beaucoup de café, donc il n'y aura pas énormément de gagnants. Mais du gagnant, il y aura, forcément. Euh, tous les mois, je vous rappelle, vous, quand vous m'offrez un, un café sur Tipeee, en échange, je vous donne un ticket de Tombola. Ok? 2 euros, un ticket. 4 euros, deux tickets. Un par un, je les note, j'ai passé la matinée à faire tous les tickets. Quand vous faites des super chats aussi, là on est en live, tu fais un super chat pendant la, la, la première, tu mets, tu mets deux balles, hop, automatiquement tu auras droit à un ticket. Je mettrai la liste à jour un peu plus sérieusement au mois de septembre, mois d'août j'étais en vacances. On va désigner deux gagnants qui choisiront parmi notre liste de cadeaux, il y avait pas mal de cadeaux plutôt sympathiques, je les ai mis un petit peu à jour, et on parlera tout à l'heure comment vous allez pouvoir soutenir encore davantage l'aventure et avoir autre chose que les t-shirts, puisque je vous rappelle, si vous achetez 10 tickets, soit 20 balles, donc tu as quand même bon, 10 chances de gagner, c'est bien, l'autre tombola, et tu auras automatiquement un t-shirt que tu gagnes ou que tu perds à la tombola. On va agrémenter ça, parce qu'on va en parler maintenant, on va agrémenter ça au mois de... Bah, je pense qu'à partir du mois d'août, je vais faire un mail à tous ceux qui ont donné 20 balles ou plus, vous pourrez choisir maintenant soit entre un t-shirt, donc euh, de la taille de votre choix, mais c'est moi qui choisis le t-shirt, d'accord, soit une casquette Gewick, parce qu'on a beaucoup de casquettes Gewick, des plats, des américaines, des blanches ou des noires, comme tu voudras faire plaisir d'avoir une casquette, ou un pack Geek Pang Geek, voilà, ce mois-ci. Pack Geek Pang Geek, pourquoi Parce qu'il me reste des peluches Pang il me reste des mini euh, Pang en silicone, beaucoup même. Il me reste des supports, il me reste pas mal de trucs que j'ai en stock, et je vous ferai un petit pack comme ça, euh, voilà, avec 2-3 merdouilles dedans, c'est plus symbolique euh, que, 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 que ça a de la valeur. Mais je vous mettrai 3 petits trucs dedans, ça permet de recevoir, voilà, ce mois-ci c'est Pang Geek, et le mois prochain on fera encore un autre pack, en plus de celui-là, parce qu'il va certainement en rester, on fera un autre bac. C'est-à-dire, tu donnes 20 balles, tu es sûr de recevoir un petit colis dans la poste. Ça n'a pas énormément de valeur ce que tu vas recevoir, parce que c'est surtout pour soutenir l'aventure, mais ça peut te faire plaisir. Allez, faisons un peu. <coughs> hein, faisons un peu le, le tirage au sort. On va faire la tombola, ici, nom de Dieu. Alors, de 1, ce mois-ci, il y avait. Enfin, le mois dernier, il y avait 402 tickets. Donc, ce n'est pas vilain-vilain, hein, En comptant les tickets qui ont été faits sur Tipeee. Donc, on était moins de 700. Hein, donc, on a que deux gagnants. Et les tickets en super chat. Où là, vous êtes un petit peu énervé. C'est vrai qu'on a pas eu Grenier Lyonnais. C'est pour ça qu'on a été en dessous. Ce mois. <laughs> Mais on en a d'autres. Ça va revenir. Ça va reviendre. Allez, premier gagnant. Le 379. <laughs> Allez, le 379. C'est Alain. Putain, bravo. Euh, premier gagnant. Premier. Alors, euh, Alain qui a fait un Tipeee avant-hier. Donc euh, là, 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 379. Ça, tout pile. Voilà, Alain. Donc, c'est toi qui as gagné. Si t'as fait un Tipeee il y a la semaine dernière, bah du coup, tu vas savoir que c'est toi. Tu me fais un petit mail avec admin.jtgeek.com. Bah, tu vas en bas dans la description. Il y a le lien de la tombola. Tu me dis le lot que tu voudrais. Éventuellement, non, tu me mets deux choix. Deux choix des lots que tu voudrais. Ton premier choix et ton deuxième choix. Comme ça, ça me permet, moi, de voir gérer ce que je peux envoyer ou pas depuis la Thaïlande. À savoir qu'il n'y a pas de Xiaomi à 3 ce mois-ci. On avait dit, Si on fait plus de 1500 cafés, euh, je mettrai le A3. Si on fait moins, je vais le revendre parce que je vous rappelle, ils nous paye pas, faire les reviews, c'est à moi à charge de revendre le téléphone. Et comme il est pré vendu déjà presque, euh, voilà, j'aurais bien aimé vous l'offrir, mais comme j'ai quelqu'un qui est fortement intéressé, je vais euh... l'argent d'abord tout. <laughs> Allez, le deuxième gagnant. C'est un petit chiffre là, 151, 151, 151. 151 nananana, J'ai entendu ça tout à l'heure Et comment on se faire monétiser une vidéo okay. Bon le numéro 151 puisque je sais que cette chanson ne vous intéresse pas C'est Conyou C'est Conyou notre deuxième gagnant Donc pareil mon petit Conyou <laughs> Mon petit gnu euh... Ta tabernac. Mon petit gnou donc c'est toi, tu me fais un petit mail adminard.com, tu me fais trois choix par ordre de préférence, ton 1, ton choix 1, ton choix 2 et ton choix 3. N'oubliez bon, pas de me mettre votre adresse, les deux gagnants, Alain et connu Hein, parce que sinon, c'est pas intéressant. Et puis voilà, voilà les gagnants. Donc, du coup, tu peux soutenir l'aventure et éventuellement, tu as la chance de pouvoir gagner quelque chose. Voilà. Ça, tu fais pas que soutenir, tu peux gagner. Il n'y a plus de gros gros cadeaux de fou parce que j'ai plus. Euh... Je sais pas quand Michel va revenir, faut que je lui écrive. Et euh... peut-être on mettra le projecteur, on va voir. Mais euh... voilà, on a bien vu que beaucoup n'étaient intéressés que par les gros cadeaux et tout. Donc, euh... faut se calmer un peu. C'est un petit échange de bons procédés qui fait exactement plaisir. Donc, le lot, d'étiquettes, tickets, le... un t-shirt ou une casquette ou un geek pan geek je vais faire un mail aujourd'hui ou demain à tous ceux qui ont donné plus de 20 euros au mois de août vous me répondrez votre adresse si je ne l'ai pas déjà et ce que vous voulez comme ça se permettra et tous les mois il y aura un petit truc en plus voilà pour dire toujours le t-shirt sur la casquette toujours le pack pan geek et peut-être que le mois prochain il y aura un petit pack surprise on verra fin septembre on en parlera le live du samedi a plutôt bien marché. Euh, vous pouvez les trouver directement sur mon site collaboratif legeek.tv. Sur legeek.tv, vous pouvez voir toutes mes vidéos en fait. Hein, comme j'en fais, euh, je ne sais plus comment on a dit, 50 par mois à peu près en ce moment. Euh, vous pouvez trouver toutes mes vidéos euh, et les vidéos des autres. Donc le, le live de, a bien marché. Hein, le live de samedi, ça s'est passé. Ça a passé très très vite, j'étais assez content. J'ai reçu également, tiens, je vous parlais vendredi de me remboursait la TVA quand je repartais en... Quand j'achetais en France et je revenais ici. Et bien Blue m'a remboursé. Alors c'est vrai que moi je le fais à chaque fois. Donc quand je l'ai fait à, à LDLC, il me dit Ah oh, Blue, ils vous connaissent déjà J'ai dit oui, j'ai acheté la dernière fois et je crois que Blue ils font aussi pour Apple et ils font aussi pour pas mal de compagnies. Donc ils me connaissaient déjà. Ils ont fait le remboursement facile. Ils se sont dit le mec qui me fait le coup à chaque fois. <laughs> on le rembourse direct. Ça fait plaisir. Euh, je voulais vous parler, tiens, également des stats WTS, parce qu'il y en a que ça a intérêt. Je vous rappelle, j'ai une chaîne de vlog en Thaïlande. Tous les jours, je vous fais un vlog sur ma vie. Alors des fois, ils trouvent des trucs bien, ils trouvent des fois, les trucs pas bien. Vous le, les retours sont très très bons dès le début. Je vous rappelle, j'ai relancé ça le 10 août. Du 10 au 27, ça parlait surtout de la France. Vous voyez bien, on a fait que de perdre des abonnés. Et au niveau des vues, c'était pas... pas mal. Parce qu'on était quand même, vous voyez, malgré tout, entre 500 et 800 vues. Mais on perdait des abonnés qui n'aimaient pas trop le côté, non mais attends, euh, moi ça m'intéresse pas et tout, la France. Je connais trop bien. <laughs> Comme quoi. Et euh, là, depuis qu'on a repris Pataya, donc le 28, parce qu'on a repris le 27, j'ai revenu le 27, donc le 28. Bon, bah, le nombre d'abonnés, euh, 5, 1, 11, 5, et aujourd'hui déjà 1. C'est significatif. Le nombre de vues sur la journée, on a déjà dépassé les 1200 vues moyennes sur la journée. Donc, on peut dire qu'en une semaine, on a un très très bon démarrage. Donc, ça fait très très plaisir. Et euh, si euh, les voix du Seigneur sont impénétrables, et si tous, vous avez, tous ceux qui me disent que ça va cartonner en raison, dans ce cas, il se pourrait que le truc décolle d'un coup. Au bout de euh, peut-être quelques mois, un mois, deux mois, trois mois. Mais bon, pour l'instant, les stats sont très très euh, positives. Voilà. Mal. On parlera également du WTS d'hier, j'ai fait deux WTS, enfin quatre même, j'ai fait le daily donc hier la journée, une en moto, j'ai roulé pendant une heure et demie et tout, vous allez voir, hein en moto, en allant en direction Rayong, en passant par la campagne avec mes sabots. En passant par la... Là... Lorraine, ah non, il n'y en a pas ici. Euh, et enfin, deux temples, dont un premier temple qui est oufissime, je suis allé partout, et chauves-souris, singe, les... Chauves les, singes, les... <laughs> vous allez voir, je pense que vous allez... si vous aimez mon style, vous allez beaucoup rigoler. Et un deuxième temple, alors là, où je ne vais pas vous teaser, mais je me suis fait attaquer par un esprit. Hein. L'esprit du moine euh, m'a pas aimé, hein. je me suis fait euh, voilà je me suis fait attaquer, mais pour de vrai. Hein. Alors j'ai pas voulu teaser, faire des trucs, ah, t'es commencé. Non, je vous en parle juste maintenant, vous allez voir, et euh, après réflexion, c'est véridique. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire Ah oui, en effet, euh, avec tout ce qui s'est passé à la fin, c'est fallait vraiment que je dégage. <laughs> voilà. Je ne vous tease pas, cette vidéo tombera alors demain, ça sera la moto. Après ap Alors, demain, Mardi la moto. Mercredi le daily. Jeudi le temple 1, vendredi le temple 2. Ça me permet de prendre aussi un petit peu d'avance, voilà. Et même si aujourd'hui, quand même je vous ferai découvrir Kira Express, c'est pas mal. Bon, aujourd'hui, j'ai fait la review du Humidi euh, 5 Pro, qui est pas mal, qui était déjà vendu. Mon pote, hein. j'ai un pote YouTuber thaïlandais là, qui est, qui est là, qui le voulait absolument et tout. Alors, je lui fais quand même un bon prix, mais bon, il l'a pris tout de suite. Et euh, il, veut des, il les prend régulièrement, ou il connaît des gens qui veulent les prendre. Donc, ça m'arrange bien aussi de pouvoir les vendre en local. Ça me permet d'aller à Kerry Express, de vous parler un peu de Kerry Express, un transporteur thaïlandais, de faire une vignette, tout ce qui va bien. Voilà. Euh, je voulais également vous proposer une nouvelle sélection, et pour ça, j'aimerais vous. De, à contribution. Je voudrais vous mettre à contribution. C'était ça le mot français. Je voudrais vous mettre à contribution. J'aimerais faire une rubrique qui s'appelle la sélection Netflix du mois. Voilà. S'il y en a qui sont fans de Netflix ou qui ont Netflix ou qui regardent, quelles sont les, les, les sorties du mois de septembre Alors je ne suis pas, moi j'ai un abonnement de mon beau-père parce qu'il a 4, 3 ou quatre clés. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont sortir d'enfer sur Netflix au mois de septembre Si vous voulez m'aider à faire cette rubrique, dans ce cas, vous me contactez admin.jtgeek.com, Vous trouverez le lien dans la description. Vous me contactez et me direz Ah, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Et dans ce cas, on s'en tous les deux. On fait un truc. Tu me donnes les sorties Netflix. Et puis je les relais et tout comme ça. Si personne veut le faire et qu'il y en a un qui veut se dire Ah, moi j'ai vu ça ce mois-ci qui a l'air bien. Vous pouvez le mettre directement dans les commentaires en bas de la vidéo. Vous dites Ah, ce mois-ci, il y a ça qui sort. Nanana. Au pire, vous mettez chacun ce que vous, vous attendez au mois de septembre sur Netflix. Et puis bah, je les prendrai. Je ferai une compilation si on ne trouve pas de volontaires. Voilà. Et après, je veux dire, parce que j'ai vu pas mal de chaînes qui faisaient sur les sorties Netflix, moi j'aimerais faire une rubrique là-dedans parce qu'on est au mois de septembre, je ne sais pas ce qui sort et je sais pas ce que je vais louper. Vu que je l'allume quasiment pas Netflix, ça m'intéresse pas énormément, énormément. Voilà. Et enfin, je vous rappelle, vous avez vu, on a un nouveau logo qui s'appelle ByGLG qui sera la nouvelle identité visuelle que vous pouvez trouver également ici en haut à droite. Voilà, qui est la nouvelle entité, ByGLG. En théorie, le référencement commence à prendre tout doucement. Sur YouTube, quand vous commencez à chercher ByGLG, vous tombez automatiquement sur mes trois chaînes. Parce que ByGLG, c'est trois chaînes YouTube. L GLG Review, on fait les reviews, donc tu leur as vu ça avec le Midi A5. Prochain review, téléphone le, UMI, le Xiaomi A3. En partenariat avec Club euh, Xiaomi Francophone. <laughs> Allez, non, avec le soutien. Avec le soutien passif de... <laughs> <laughs> je sais pas comment on va dire, je trouverai un truc, je te trouverai un truc tu vois. Euh, GLG Vidéo sur qui on fait la quotidienne et les lives, et enfin WTS ma, ma chaîne de vlog en Thaïlande, dont vous trouverez toutes les vidéos directement sur le Geek.tv, tu ne sais pas où aller, tu n'as pas envie de t'abonner, mais tu as envie de voir les vidéos. Tu vas sur le tu vois toutes mes vidéos, également les vidéos d'autres YouTubers, qui peuvent faire exactement... Euh, euh, plaisir. Bon, vos questions et commentaires de la veille, pas eu grand chose au niveau des questions et des commentaires, puisque bah on s'est quand même vu samedi, donc on a eu un max de questions, de commentaires. Pas trop de commentaires, on a eu un, là, commentaire des obligeants, ou que c'était Bah je fais que de la merde, comme d'habitude, ou que c'est de plus en plus nul. Mais enfin bon, au mois d'août, euh, fallait quand même pas... Euh, faut pas sortir de, de Saint-Cyr, euh, faut pas avoir fait l'ETNA, <laughs> Comme dirait dans H. faut pas avoir fait l'etna pour voir qu'au mois d'août, il y avait pas grand chose à faire. Hein. On a assuré le on a assuré la permanence mais au mois d'août il n'y avait pas beaucoup de news il y avait pas rien donc euh, voilà on assurait et après le but c'est de se retrouver aussi entre nous entre potes et après voilà bon, hein, ceux qui viennent que pour la news mais pour la news ceux qui viennent pour le moment détente plaisir et première pour beaucoup d'entre vous qui sommes qui êtes, qui qui sommes là qui qui s là qui, s là, qui s là en chat et qui se disent bonjour bonjour Courmi, oh, bonjour Laura oh, bonjour <laughs> tu vois voilà on sait que les mêmes oh Céline est passée. oh là toi bon c'est le petit chat euh, communicatif euh, participatif Allez, on attaque avec les news. Je rappelle si vous faites. Alors, je sais pas si je vais être là ce soir, je ne pense pas. Donc, je pense pas que j'allume, mais voilà, ça c'est les super chats de, de samedi. Alors, est-ce que je mets le doigt là-bas Voilà. <laughs> euh, euh, Michi, tout à l'envers là. Euh, voilà Bon, allez, le Android To Reload confirme. Alors, le 3 septembre, on va commencer à avoir du Android 10. Bon, on sent encore des téléphones sous Android 8. Il y en a qui est 9, voilà, ça commence à arriver. On parle déjà du 10. Bon, on est sur de la geekerie. Euh, certains fabricants, tous les fabricants commencent à vous teaser en disant Ah, mais non, ça y est, nous, euh, on arrive. Donc, tous ceux qui ont un Google Pixel, donc là, c'est bon, hein, vous allez passer euh, sous, euh, sous Android 10 avec plaisir. Après, les autres, faudra attendre un peu. Moi, avec mon Huawei, euh, voilà. <laughs> J'ai l'impression que. Mais bon, ça ne me dérange pas. Ça ne m'empêche pas. Ça ne fera pas mieux. Je préfère qu'en fait, qu ils fassent des correctifs à émuler pour les failles de sécurité et euh, améliorer les parties photos et des choses comme ça qu'absolument avoir Android 10 qui va pas apporter des trucs révolutionnaires non plus quoi après c'est le petit côté geek on veut tous l'avoir mais si on l'a pas euh, c'est pas grave on parlera également ça y est il est fuité le iPhone 11 voilà on a déjà un petit peu donc on aura bien comme c'était un petit peu prévu 3 iPhone 11 un 6,1 pouces voilà avec deux caméras à l'arrière un 5,8 pouces pour la version pro, donc la plus petit, plus moche, il euh, y a combien de caméras 3. Et enfin le pro qui sera le plus grand, un hein, 6,5 pouces, qui est quand même un petit peu la norme hein, malgré tout. Euh, attendez, 1920 par 1080. Donc le premier, il est HD, le iPhone 11. Ouh, ça pique euh, Le deuxième, il est à Full HD Et le troisième, euh, il doit être 2K. Ça doit faire un petit 2K, ça. Bon, enfin bon 2K, full HD je veux dire voilà vu que les vidéos au YouTube tout ce que je regarde c'est en full HD quand c'est pas en HD parce que bon les débits euh, bibis. voilà donc on en sait un peu plus sur ces téléphones là bah ben, euh, à part bah oh, ben, tiens voilà regarde à part la rupture stylistique avec trois petites caméras à l'arrière on change pas grand chose hein. donc Face ID dire tous le chip A13 euh, 466 bon après c'est un iPhone hein, donc l'OS est aussi optimisé par rapport à la RAM du Wi-Fi 6 ça c'est pas mal trois caméras euh, bilatéral Royal Charging, c'est-à-dire que tu vas pouvoir charger en induction et recharger un appareil euh, Par exemple les AirPods ou des choses comme ça euh, Support il va pouvoir utiliser le stylet ça c'est bien pour ceux qui ont déjà un stylet même si moi j'ai du mal La batterie 3190 c'est bien pour le milieu 3500 c'est pas mal Je pense que 4000 pour une version Pro ça aurait pas été insolent Puisque une généralité qu'on voit mais partout, partout 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 Tous les mecs qui se baladent avec des, des batteries externes tu leur demandes, tu dis, t'as quoi comme un téléphone? Ils disent, j'ai un iPhone. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Même sur les vidéos américaines. Je regarde plein de vidéos américaines et tout. Puis, enfin, le mec, alors, il arrive, il sort sa sacoche, puis il pose sa batterie, et puis il pose son bordel. Et là, il a quoi? Il a un iPhone. Quasiment. Vous verrez, faites un sondage, vous allez voir. Je sais pas combien de pourcents. Essayez d'estimer un pourcentage, mais chaque fois que les mecs ont une batterie externe, c'est qu'ils ont un iPhone. Moi, je sais pas. Moi, je moi, me parle pas avec ma batterie externe. J'ai une batterie de 5000 mAh sur mon Huawei. Voilà, ça c'est la fête. Bon, le téléphone euh, le prix. Alors à partir de 750 dollars. Attention, 750 dollars aux États-Unis, c'est 800€ chez vous hein, euh, 1000 dollars pour le Pro oh, et 1100 dollars pour le, le 11 Pro Max, le Max. Il n'y a pas un trop trop gros écart, ça va. Enfin bon, 1100 dollars. Putain, ça va être un truc encore à 1100 1100€, euh, 1099 Faut pas déconner, parce que les Moi je veux bien hein, que ça va être bien mais après bon, c'est pas Huawei en ce moment, c'est pas la fête mais un Huawei P30 euh, même euh, la version classe et tout, enfin voilà. 5-600 balles un téléphone, mais 1000 balles, non, attends, 6,5 pouces là, regarde, mon mate 20X, regarde, batterie 5000 mAh, les caméras à l'arrière, un écran OLED, euh, tout bien, tu vois, et ça vaut 600 balles, euh, donc... Euh... Il y a ma review. Abonne-toi à GLG review, bien évidemment. Bon, on continue. On parle également de Huawei. Alors j'ai pas mal de news. J'ai une news courue m'a envoyée. Après Citron dit apparemment le lancement national, euh, hein, le lancement Europe va être repoussé du mai 30 puisque euh, bah, ils n'ont pas d'agrément Google donc ils risquent de sortir sans Google ou avec un autre OS. Bon, apparemment du côté chinois, euh, les pubs sont tombées. Hein. Il y a bien un lancement le 19 à Munich. Alors deux qui la tiennent, trois qui la <laughs> Non, dis donc, on fait pas ça à Munich. Munich, d'abord. Bon, il faudra attendre un petit peu de savoir. Alors, est-ce que qui dit vrai qui dit faux Est-ce qu'il y a vraiment un lancement à Munich que pour la Chine Ça serait peu probable. Est-ce qu'il y a vraiment un lancement en Europe Est-ce qu'il va être vraiment décalé Est-ce que tout le monde nous tombe les news du 1er septembre Et qui a vrai, qui a tort, qui a raison Je sais que certains me diront, non, mais attendez. Entre les rumeurs et tout, tant qu'on n'aura pas cerise de chez Huawei a disparu, hein, donc euh, on l'aura plus. Sauf si nous écoute. Euh, qui dit vrai, qui dit faux Ne vous en embêtez pas. C'est comme à chaque fois. Attendez d'avoir deux points de vue à chaque fois. Presse citron vous dit que apparemment c'est reporté. Les certains sites chinois vous disent ah ils ont reçu un truc officiel, c'est le 19. Ça a l'air plus crédible puisqu'ils ont un truc officiel. Mais encore une fois. On n'est pas à l'abri aussi qu'ils annulent euh, le lancement parce que euh, bah parce que parce que voilà, parce que pas d'Android et que vaut mieux le sortir en Chine d'abord et en Inde peut-être et après euh, voir pour le reste du monde c'est-à-dire l'Europe. Allez on parle également des deux nouvelles montres qui sont pas des montres de Xiaomi mais c'est le montre Amazfit par Uani. <laughs> voilà donc on aura donc la Sportwatch 3 bon bah, qui est une Amazfit, hein, euh, nouvelle version euh, voilà quoi bon bah c'est après là on est sur de l'évolution hein, on n'a rien de truc alors euh, c'est joli ça mais si c'est comme sur la GTR c'est du plastique de merde hein. la GTR je l'ai ouvert, je fais hein c'est quoi cette merde là c'est du plastique tout pourri tout moche T'sais, tu gris tout moche t'es vraiment pas euh... voilà quoi donc bon elle a l'air assez jolie c'est simplement un upgrade hein, de celle que vous connaissez, qu'elle soit Sport 3 ou Amazfit ou ce que tu veux c'est une évolution. Celle qui est plus intéressante, ça sera certainement la Fit X, qui aura donc un écran incurvé. Alors... Il est clair que tout de suite ça apporte quelque chose. Euh, moi je serais assez fan. Ça fait assez déjà t'en verras plus que de mettre un petit écran. Il est où mon truc là Il y a plus de batterie. Ça fait un mois que je suis parti, j'ai pas allumé. Euh, J'aurais plus tendance à dire ouais voilà avec l'écran on en verra plus. Puis l'écran incurvé c'est quand même plus fashion et tout. Il y aura des, des skins qui vont être plutôt sympas. Je suis, alors, je vais pas dire que je suis fan mais je trouve ça assez joli moi personnellement. Euh, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je pas, non, parce que j'ai tellement de belles vraies montres que j'ai arrêté de porter des bracelets, à moins qu'on me mette un bracelet électronique, et dans ce cas c'est à la cheville, donc je veux dire, j'aurai toujours les poignées de libre. Attention. Cette blague demande réflexion. Non, eh non, pas ici, pas en Thaïlande. <laughs> Au goulag direct euh, Voilà Donc voilà un petit peu Pour les news On... Une news également Envoyée ce matin C'est bien couru, il M'a fait trois petites news Ce matin Trois petites sélections Envoyées par email et Nickel Je ne vais pas dire Que ça m'évite de chercher Parce que j'en avais déjà Un petit peu trouvé Mais euh, ça fait plaisir Namaste, Dyanavada. Euh, il pourrait y avoir une version 256 Go du Fold, donc du coup il pourrait sortir en deux versions, une version en 512 et une version en 256. La version 512 valant donc 2000 euros, donc peut-être que, et certainement la news va vous le confirmer, qu'une version un peu moins speckée euh, à 256 pourrait donc être un petit peu moins chère. Est-ce qu'elle sera moins speckée euh, ou est-ce que hum, est-ce que ça sera juste un problème de mémoire avec un peu moins de RAM, un peu moins de ROM? Il faudra attendre un peu, mais ça permettrait certainement à la marque d'augmenter les volumes et de rentabiliser un peu les gros investissements qu'ils ont dû faire pour le châssis, la conception. Bon, après, la news comme quoi il y aurait certainement un Galaxy Fold 2 à l'étude, c'est bien évident, hein, puisque là pour l'instant on essuie les plâtres avec une première version et qu'il y aura forcément plus tard. Un Fold 2 et qui sont en train d'essuyer les plâtres avec celui-là. Ils vont en vendre, ils veulent rentrer un peu dans leur sous en en vendant beaucoup. Et on verra après ce qu'ils vont sortir pour le 2 si c'est plus de miraculeux, par exemple. Et enfin, <laughs> la news la plus sympa, de préciserons toujours, euh, le OnePlus 7T Pro, apparemment sa fuite, ça serait exactement le même hein, au niveau du design. Euh, et on verra pourquoi moi je dis que oui. Mais on pourrait avoir en fait une configuration un peu plus musclée avec un Snapdragon 855, une un peu plus grosse batterie, ce qui est possible. Hein, ils ont toujours un peu de place dans les châssis et euh, ils pourraient tourner directement sous Android 10 via leur ROM propriétaire, enfin leur surcouche propriétaire. Non, mais on dit pas surcouche, on m'a sorti un hein, mot. Bon, bah, moi, quand on met, euh, désolé, hein, quand c'est sous Android et que après on change tout dedans, pour moi, ça reste du Android avec euh, changer un peu quoi. Euh, donc. Ça va être exactement le même. Pourquoi Ben bah, alors, euh, quand moi, 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 que donc ça n'engage que moi, on est d'accord, ok Pas euh, okay. C'est pas ni dit ni à faire. Alors, toujours deux versions. Que disent les autres Que dis moi Voilà. Et toi, tu te fais ton opinion. De ce que moi, on me dit d'après les fabricants de chinois de smartphones, c'est que OnePlus 7 Pro, c'est pas la fête. Voilà. Au niveau des ventes. Et que, euh, truc, donc là, sortir, il devait apparemment sortir une autre version, mais comme les ventes en fait du OnePlus 7 euh, Pro 7 et 7 Pro sont pas ouf, du coup, l'intérêt, si toi aussi t'es un peu businessman, c'est d'utiliser le même châssis et la même conception et d'apporter quelques modifications puisque du coup au niveau du euh, du R&D du recherche et développement bon bah c'est négatif euh, tu vas voir le fabricant tu vas voir l'usine tu dis alors oh, là on va juste changer le processeur c'est-à-dire qu'au lieu de mettre celui-là tu vas mettre celui-là les coûts c'est les mêmes d'accord au lieu de mettre une batterie euh, de ça tu vas mettre juste celle-là hein de toute façon ça rentre il y avait la place voilà et euh, bah c'est tout voilà. Donc, du coup, on pourrait avoir la même configuration avec quelques, peut-être une caméra. Mais bon, pareil. Au niveau de la caméra, une fois que le téléphone est fait, recevoir des caméras qui sont plus celles-là, IMX truc, et recevoir une IMX machin, les mettre à la place. Au niveau de l'usine et au niveau des coûts, il n'y a pas de surcoût. Mais ça permettrait peut-être de remettre en branche, je sais pas, 100 000, 200 000 téléphones. Dans la même chaîne de production, sans rien changer. Sans conception, sans nouveau moule, sans nouveau euh, truc. Voilà. Donc, ça paraît cohérent par rapport aux news qu'on a, comme quoi c'est pas la fête. On en a déjà parlé. Euh, OnePlus est un peu le cul entre deux chaises. Entre Oppo, <laughs> Oppo Vivo, Realme, qui font aussi des téléphones tout aussi bien, mais quand même un peu moins cher. Un peu moins bien au niveau de l'écran, oui, nanana. Mais carrément moins cher. Et entre... Euh... BKK électronique qui fabrique aussi pour d'autres marques des téléphones avec des configurations qui sont enfin des designs qui sont relativement similaires avec caméra. On parlera bien évidemment de Huawei, on parlera également de Xiaomi. Euh, les téléphones voilà, sortent des mêmes usines, euh, après les specs changent, c'est le même. Euh, c'est toujours pareil, c'est un problème de conception. Voilà, on change juste ça dedans et hop, on ressort pirouette, cacahuète, et puis l'usine fait à foison et elle réduit ainsi les coûts. Donc ça paraît cohérent. Est-ce que. Alors là, encore une fois, là, on est sur le BEM. On est sur un BEM négatif. Hein. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'en ai besoin Pas du tout. Est-ce que j'en ai envie Pas du tout. Est-ce que j'en ai les moyens 700 balles, ta merde, là Alors là, pas moyen. Parce qu'il va être encore. S'il est au même prix, c'est peu probable, parce que sinon il va flinguer carrément. Si c'est le même, il va flinguer le 7 et euh, le 7 Pro. Donc il va être un peu plus cher que le 7 7 Pro qui sont déjà trop chers. Donc, euh, non. <laughs> pour moi, pour moi c'est un non. Mais bon, après, toi, tu, tu peux me dire, par exemple. Allez, on continue un peu les, les news avec mon site collaboratif legeek.tv. Legeek.tv, le site des geeks qui ont abandonné la TV. Ah, oh, c'est bien ça. <laughs> c'est pas mal. Allez bien celle-là. Geek.tv, le site des geeks qui ont abandonné leur télé. Oui, puisque bon, après la télé. Ouais. Enfin, moi, chez moi je sais pas vous, mais moi, ma télé, elle me sert à regarder Netflix, YouTube et les films que j'ai téléchargés sur TF1 Torrent, quoi. <laughs> voilà. Après, euh, regarder la télé-télé euh, en elle-même, euh, non. Non, c'est nul. Non, en plus, la qualité pas. <laughs> non, j'ai TB5 en plus hein, en Thaïlande. <laughs> bon, mes vidéos du jour, la vidéo euh, WTS du jour qui bah, doit faire sa vie de vidéo, hein. Au niveau des vues, on n'est pas fou, on est à 150 vues déjà depuis ce matin, mais ça va prendre, hein. là ce soir les mecs ils du boulot, j'en ai qui sont dans le train, on m'écrit ah, je vais à Paris, voilà, on en a, voilà, c'est leur petit moment de détente de la journée où je fais découvrir la Thaïlande avec moi. La vidéo de GeekTech, qui si vous a une petite vidéo d'un parleur Transmart aussi, donc c'est vrai, si t'es youtubeur, que t'as une chaîne YouTube, que tu t'aimerais voir ta vidéo là-dessus, c'est simple. Tu mets ta vidéo sur YouTube, tu changes rien. Dans la description de ta vidéo, tu mets « En partenariat avec le legeek.tv », c'est le seul truc que je te demande. Ensuite, tu viens ici, tu mets « Poster ma vidéo », t'as une petite fiche comme YouTube, tu copie colles tout ce que t'as mis dans, ta, dans ton YouTube, tu, mets, tu vérifies bien que t'es mis « En partenariat avec le Geek.tv, je la valide, et après, on la voit le lendemain, et comme ça, dans la quotidienne, j'en parle. Par exemple voilà. Ou c'est si des bandes annonces, toi, c'est des bandes. Vous pouvez le faire en fait, du coup, si vous regardez, vous des vidéos sur YouTube que vous avez vu vachement bien, des bandes annonces ou des vidéos que vous trouvez intéressantes, vous pouvez venir et le poster, voilà. Là, je demanderai pas de lien retour si c'est des bandes annonces, on est d'accord. Des gros trucs américains. Voilà. Après, les trucs français, non, faut demander un petit lien retour, demandez-lui. Petit... Bon, et euh, la bouffe, dans bon, le, le WTS tous les jours, hein, forcément, le live de, de, de samedi. Et puis voilà, bah, des WTS, et puis d'autres Youtubers, etc., etc. T'as commencé à avoir l'habitude. Bon, les reviews à venir. J'ai bien bossé, j'ai fait le UMIDIGI A5, donc je l'ai fait samedi, je l'ai monté dimanche. Non, je l'ai monté samedi soir. <laughs> oui, t'as fait quoi samedi soir Vous verrez ça dans WTS. Bah, j'ai fait le montage de la vidéo. Euh, prochaine review, le Xiaomi A3. Donc je vais commencer demain, elle tombera vendredi. Certainement, euh, je vais certainement enquiller dans la foulée le Y4800 parce que les smartphones, il y a quand même une obsolescence qui est assez rapide. La montre Siga devrait arriver juste après et ensuite on aura le mini projecteur BenQ. Vu que je l'ai programmé pour le 15, on est le 2. Alors, 2 ça fait 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ouais, on est pas mal là. Hein. Donc peut-être que deux smartphones et après on fera peut-être le projecteur. On va voir si Siga euh, se réveille et que elle est jolie la montre, mais que je puisse la tester avant de vous l'envoyer et que, que le gagnant la choisisse. Voilà. Bon. Euh, voilà. Et après, le mode projecteur GU, c'est bon. Bon, les films de la semaine. Il n'y a pas eu grand-chose cette semaine. Bon, je ne saurais que trop vous conseiller John Wick 3. Si vous n'avez jamais vu les John Wick, je vous conseille le 1, le 2 et le 3. C'est de la baston, hein, avec Kim Reeves en mode néo, euh, contrôle la matrice et tout. C'est pas mal, hein, ça se regarde bien. Le 1, oui, 2. Il y a des belles scènes d'action et de belles scènes de combat dans le 1 et dans le 2 et dans le 3, ça démonte. Ils ont vraiment dépassé toutes les limites au niveau de l'action, des combats, des... c'est super bien fait, c'est voilà, très dynamique et tout. Et il y a une histoire qui se tient, qui est sympa, si vous aimez un petit peu avec Morpheus, Neo et tout, on les retrouve dans les dans le film. Et ça fait extrêmement plaisir. Non, non, le 3 est vraiment bien, hein. ça déboîte vraiment les euh, tirs, des... ça explose avec la hache et tout. Voilà. C'est l'action au maximum avec les chiens, avec les chevaux, avec tout, 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 ils sont allés vraiment euh, aux limites de tout ce qu'on peut faire dans les cascades pendant un épisode. Donc j'ai passé un bon moment de violence. <laughs> devant ma télé, voilà. Euh... Continue. Sur TF1 torrent j'ai commencé à regarder hier Night Hunter. C'est dur, hein. Oh, bon, après, je suis pas, euh... même si, hein, je suis pas, je suis pas le ciel, mais bon, le mec, putain de beau gosse, bien baraque et tout. Ça, c'est un peu, ça fait un peu faux tout ça, tu vois. Un peu, je m'en bats les couilles et tout. Je commence à regarder le début, ça m'a gonflé, je regarderai peut-être. Plus tard, j'ai préféré enchaîner directement sur la saison 5 de Pinky Blinders. Épisode saison 5 épisode 1, ça se passe deux ans après, on comprend pas trop ce qui se passe, nanana. Na na. euh, mais bien, l'épisode 1 un peu long à se remettre en place, c'est pas mal. Épisode 2, ça commence déjà à tout déboîter et ça fait extrêmement plaisir. Si vous aimez les mâles dominants, c'est lui quoi. Il dit voilà, donc ça va se passer comme ça, tu vas l'amener, c'est comme ça que ça passe, moi le patron. C'est génial. <laughs> c'est génial. C'est Picky Blinders, je vous rappelle si vous suivez un petit peu ma page sur Instagram, vous avez vu, il y a un Picky Blinders hein, à Lyon. D'ailleurs, il y a le Peaky Blinders Taverne à Lyon. Est-ce que je vais arriver à vous le trouver en temps réel Comme ça, regarde, tac Ici, Peaky Blinders Taverne à Lyon. Toi, c'est bien, hein Il y a du fanbase. Donc, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, à vous conseiller de regarder, par exemple, si vous avez internet. Bon, au niveau des vidéos YouTube, j'ai rien vu de transcendant ce week-end. Il hein. va falloir attendre que tout le monde rentre de vacances. Hein. Tout le monde a mis un peu Léo là. J'ai vu que Jojol a mis une vidéo sur la Ferrari de, de Pog et tout. Donc, non. Le seul truc que j'ai vu bien, la vidéo de Grand JD était pas mal dans un château avec les pièces et tout. Le château incroyable et tout. Et puis voilà, comme je suis un peu moi aussi en mode vlog, ça permet de voir ce que ce qui ont un format qui fonctionne, comment ils font, comment ils filment. Je regarde un peu la technique avec quoi ils filment, quels sont l'éclairage, quel plan ils font, comment ils alternent et tout. Tu vois, tu regardes un peu plus le fond. Mais c'est pas mal, la vidéo est vachement bien. Et je vous invite à aller la regarder aussi si vous ne l'avez pas vue. Le château est tout juste incroyable. Bon, allez, au niveau de Shanzai, au niveau de Shanzai et des codes promo. Alors, au niveau de Shanzai, j'ai pas fait de news depuis un bon petit moment. Je vais m'y remettre à partir de demain, parce que là aujourd'hui j'avais beaucoup de boulot. J'avais quand même deux vidéos, plus la quotidienne. Ce soir, je vous fais les codes promo sur skyphone.fr. Donc, il y aura les codes promo Gearbest Banggood. Euh, AliExpress, c'est beaucoup de boulot à faire leurs codes et tout. Donc, je me remettrai peut-être mercredi. Je les ferai peut-être mardi pour mercredi, comme on les a un peu à l'avance. Il euh, y aura ce soir, pas bon, euh, Merde, je voulais dire. Price mini, euh, non, Amazon. Amazon pareil, il faut que je regarde un petit peu ce qu'ils ont en nouvelle promo, il faudra attendre un petit peu. Smartphone chinois, du coup, comme on a un aujourd'hui, j'essaierai de faire la fiche demain, ça évite comme ça de trop me surcharger aujourd'hui, de me laisser un petit peu de temps pour ma vie de, de vivre. Euh, je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas, dans la... En bas de la vidéo, il y a un espace commentaire. Si c'est important, bah, je répondrai tout de suite, sinon je mettrai un petit cœur d'amour par exemple. Si je vous réponds pas tout de suite, c'est que j'y répondrai demain pendant la quotidienne du mardi, même heure, même endroit. magouilles.com moto, pour l'instant on a mis le, on va mettre le road trip demain, donc ça sera pas mal. Et puis on laissera un petit peu, j'ai pas mal de trucs à aller voir sur de la Harley de la moto custom, des scooters 3 roues, on parlera tout ça dans, dans les vidéos qui vont tomber sur WTS bah, JLG. N'oublie pas de t'abonner aux trois chaînes, le lien est dans la description. Abonne-toi aux trois chaînes, clique sur la cloche, tu recevras une notification. Si la vidéo te plaît, tu la regardes. Si la vidéo te plaît pas, tu la regardes pas, mais au moins tu es informé. Voilà. Je vous remercie tous d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Comme toujours, n'oublie pas ce soir de remercier le ciel pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, vous pouvez. si Ça vous fait plaisir inclure le marabout dans votre prière en disant oh, pourvu que l'aventure elle continue parce que c'est vraiment bien. Si tu peux lui redonner encore 70 abonnés par jour, il serait tellement content." Ce qui n'est pas faux. <laughs> je serais extrêmement content. Alors, parce en mois de juillet, c'était ça. Après, en un petit mois d'août, assez calme. Mais là, on sent que les abonnés reviennent. Ça peut, ça peut. Ça peut te le faire. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. À demain. Même heure, même endroit. Bye bye.